recognizable. My trademark frown has grown into the strangest easy smile. And oh my, my, where did I go wrong? Ask all my. Toute la semaine, nous cuisinons avec François Jagus du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains. On s'occupe donc de la deuxième recette de cette semaine. T'es parti sur des asperges luxembourgeoises. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Dis-moi, c'est quoi ta recette? Alors, une asperge, deux préparations. On va prendre la tête de l'asperge pour les rôtir. Oui. À cru. Et toute ouais. cette petite partie, on va émincer assez finement oui. pour faire de la soupe. D'accord. Donc, on va les cuire mm-hmm. dans un peu de crème. Une fois qu'elles sont bien cuites, on incorporera notre pâte de miso, donc c'est ce soja fermenté, mm-hmm. pour faire un petit, une petite soupe qu'on va émulsionner dans ah, un siphon. Super. Et donc, tu accompagneras ça avec un peu de charcuterie. Et là, c'est quoi? C'est un œuf? Alors, c'est un jaune d'œuf d'accord. qu'on a préalablement cuit dans donc là, il est déjà cuit. Là, il est déjà cuit. Mm-hmm. On l'a mis dans un petit ramequin. Donc, vous prenez à la maison un petit ramequin, un œuf par ramequin pour éviter que ça se colle ensemble. Oui. De l'huile de, vous faites un mélange d'huile d'olive, huile de pépins de raisin pour pas que ça soit trop puissant. Et on clarifie l'œuf, donc on reste que le jaune. On le met dedans, on recouvre, surtout qu'il ne faut pas que ça soit, qu'il soit à contact de l'air. Et au four, 70 degrés pendant 45-50 minutes. Super. Et donc là, on va avoir un cœur tout coulant. Tout crémeux. Légale. Alors coincé entre le crémeux, coulant, d'accord. un jaune parfait, ouais, ça fait. Ça marche. Donc ça, c'est bon, les œufs, du coup, ils sont déjà cuits. Ils sont déjà cuits. On s'occupe de nos asperges. Donc voilà, hein donc on va continuer à les couper. Donc tu gardes les, couper. Hop, on les garde pointes. Les pointes. En complet. En complet pour les d'accord. rôtir. Et ensuite, tu élimines toute partie. Et ensuite, toute cette partie un peu plus fibreuse. Oui. Mais tu vois, là, l'idée, c'est en tout cas d'utiliser le légume dans son intégralité. Exactement. Hein. Donc là, tu es parti sur une asperge luxembourgeoise. En termes voilà, qualitatifs, elles sont aussi bonnes que les asperges d'Alsace. Ah, enfin, voilà. Bien sûr, ça, c'est un peu... Bon, on est un peu elles dans la même meilleures. Région. Elles sont même meilleures pour les luxembourgeois. Elles sont forcément meilleures. C'est un peu le même type que l'asperge d'Alsace d'accord. ou la belge. C'est un peu plus sucré, un peu moins puissant que l'asperge landaise, qui est un peu plus amertume et très puissante en goût. Donc, voilà. Donc là, on les a coupées et là, on va passer en cuisson. Là, on va passer en cuisson. Donc là, tu mets un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Dans les deux, d'ailleurs. D'accord. Donc, sans coloration. Ouais. Hop, tout de suite, tu tout mets. Tout de suite, on met. Et là, on va laisser cuire. Ce petit morceau d'asperge. 3-4 minutes, d'accord. gentiment. Une fois que ça aura bien sué sans coloration, on va rajouter la crème. On va laisser à couvert une dizaine de minutes, d'accord. tranquillement. Et on mixera par la suite. Là, notre beurre, il est légèrement fondu. On va mettre nos asperges. Tu vas même pas les cuire à l'eau. Tu vas pas les blanchir. Non, du tout. Pourquoi? Pour simplement garder le goût. Ah oui, ça commence à colorer. Donc là, tu vas tout de suite mettre On va tout de suite mettre un peu de crème. Et donc à hauteur, et tu à laisses hauteur. Tranquillement. Et on va laisser cuire une dizaine de minutes gentiment. Et là, ça là à peu près à mi-cuisson. On pose gentiment la pancetta. Que tu as fait... coupé. Hein. Voilà, des petites lamelles, on prend les lanières, on coupe avec un couteau tout simplement. Ah, ça fonctionne bien en général, asperges et charcuterie. Ah, asperges hein. charcuterie, c'est un classique. Mais voilà, ça fonctionne Mais et c'est bon. Ça fonctionne très bien. Donc là, finalement, on termine la cuisson finalement des deux, de l'asperge dans son intégralité, hein, en deux cuissons. Ensuite, on va juste mixer, mettre le miso. Exactement. Et ensuite, dans un siphon. Une fois que ça sera bien mixé, bien lisse, d'accord. on le met au siphon. Donc le siphon chantilly, comme on a à la maison, ouais, tout simplement. Pour avoir un côté très aérien. Voilà, très quelque chose de très aérien. On met une cartouche de gaz, tout simplement, et ça fonctionne. On peut le laisser à température ambiante, ne rien ne sert de le chauffer. D'accord. Parce qu'à la maison, les siphons ne sont pas conçus pour aller au chaud. Contrairement et on a le jaune donc, qui est cuit, donc après, on n'a plus qu'à dresser. Après, on n'a plus qu'à dresser. Donc, c'est une recette qui est très, très rapide et très facile à faire à la maison. Très facile. À la maison, on prépare en avance, on épluche ses asperges. La pancetta, c'est très simple. Et après, on rôtit tout doucement. Le but, c'est d'avoir à la maison quelque chose d'assez simple à réaliser. Pas qu'on passe 5 heures en cuisine. C'est ça. Look at me now, I'm unrecognizable. My trademark frown has grown
to the strangest, easiest smile. And oh my, my, where did I go wrong? Ask all my drunken friends. Who's gonna carry us home? Who's gonna drink till the morning? Who's gonna carry us home? Love ruined everything. As the ladies line their eyes and the gents make their excuses and the talk is going cheap, I'll be smiling in my sleep. C'est la première fois que je mange vraiment de l'asperge blanche comme ça. Rôti. Ouais, j'adore en fait. J'avais peur, j'aurais jamais osé, et je la trouve encore meilleure cuite comme ça que dans l'eau. C'est ça. Ah ouais, c'est parce top. Que dans l'eau, on lave l'asperge, le goût reste toujours un petit peu dans l'eau. Alors que là, tu as vraiment le goût de l'asperge. Waouh. Et le mariage avec la petite crème, puis le jaune d'œuf qui vient lié. Et puis la gourmandise avec la charcuterie, la pancetta, non, c'est top. Je pense que c'est une belle recette. Non, c'est... Merci à toi, Valentine. Voilà, l'asperge dans tous ses états et c'est top. Super. Prochaine recette, une aile de raie épice saté. On retourne un petit peu au Japon cette semaine. Mm-hmm. Et une crème de chou-fleur, pour rappeler ma Bretagne, avec du chocolat blanc. D'accord, ok.